La bourse d'Athènes a dévissé de plus de 16% ce lundi, jour de sa réouverture après 5 semaines de portes closes. Les bandeaux rouges y ont défilé toute la journée. L'indice ATHEX enregistre une chute historique qui atteignait près de 23% à l'ouverture. Les valeurs bancaires en particulier ont plongé de 30%. Après des retraits de plus de 40 milliards d'euros depuis le mois de décembre, le secteur bancaire est dans l'attente d'une recapitalisation d'envergure. Vu que la bourse a été fermée pour une période prolongée, et qu'on est encore dans l'incertitude par rapport à l'économie grecque, des incertitudes dont on espère qu'elles vont se dissiper bientôt, nous espérions des pressions sur la bourse d'Athènes à la réouverture. Mais permettez-moi de dire qu'il n'y avait aucune raison de garder la bourse fermée, car une bourse fermée, cela signifie pas d'échange du tout. Selon le quotidien Avgi, proche de Syriza, le gouvernement espère une première tranche d'aide de 24 milliards d'euros, dont 10 iraient recapitaliser les banques. En attendant, celles-ci n'ont donné que des ordres de vente à la bourse d'Athènes ce lundi. Les analystes estiment que les ventes de ce lundi étaient prévisibles. Ce qui est crucial aujourd'hui pour la bourse d'Athènes, ainsi que pour l'économie grecque dans son ensemble, c'est que les ventes ne s'accompagnent pas d'un exode massif des investisseurs étrangers. Et c'est ce qu'on va voir ces prochains jours.